Bana divo konya bi arabe fatante divo ya abena kuma biajen bena la me otma garba kamso amba ila ila ka bu yenda biajen ma fefe na arabe fatante divo la mena otma ay truma lo prophète kraso inshallah abena kuma doni abena to de français de bena me inshallah otma ka biajen fu ka barka la afena nani anani kami o kanfana o fena kain o sabati ni na talo fu inshallah abena kuma sel na ka jala ta lay otma be radio fratante di wala me inshallah tafadal mashkura. Eh bien, merci beaucoup, Imam. Merci. C'est ça, l'intégration et surtout notre identité. On se reconnaît à travers tout ce que vous faites. Félicitations et surtout beaucoup de courage. Alors, je suis votre serviteur, Tibus Abanti, le prophète. Je reçois le prophète Grasso. L'imam nous accorde quelques minutes de son temps qu'il va rattraper. Alors, prophète, bonsoir. Bonsoir. Shalom. Et surtout, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons vous demander les nouvelles. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait. Mais les nouvelles sont bonnes. Hein. Bonne heureuse année aussi aux éditeurs de Radio Fraternité. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de cette brigade qui lutte contre la sorcellerie, basée ici à Divo. Donc, en même temps, je chante. Je suis à mon sixième album. Sixième album. Ouais, je reviens d'une tournée européenne. Oui. Je suis rentré en décembre en Côte d'Ivoire. Je dois répartir. Mais compte tenu du fait que j'ai fait sortir mon album, donc je suis en pleine promo, nous avons touché un peu les radios de proximité avec mon service de communication. Oui. La semaine passée, nous étions à Gagnoua. Nous avons fait les radios de Gagnoua. Et après ça, on a touché un peu Oumé pour afficher nos trucs. Nous sommes allés à Radio Iré. Donc aujourd'hui, nous revenons, nous sommes ce week-end à la maison. Voilà, pour parler de l'album. Ça fait maintenant, je crois bien, trois semaines. Hein. Trois semaines que la sortie, que l'album est sorti et sur le marché. Alors, prophète, comment se comporte l'album sur le terrain? Bien, sur le terrain, ça se comporte très bien. Ça se vend comme des petits morceaux de pain. Oui. Voilà, ça se vend comme... Parce que l'album même a un impact, la musique, un impact sur les œuvres de la sorcellerie. C'est beaucoup spirituel. D'accord. Alors, on a déjà apprécié ces sons. Merci. Un peu partout, dans les bacs à cassettes et autres, et surtout dans les grands coins, n'est-ce pas, les discothèques, les gens apprécient. Merci. Certainement, nous aussi, nous avons apprécié. Merci. Mais le contenu du premier son, intitulé Mon Appel. Mon appel, on va permettre aux auditeurs d'apprécier, et n'est-ce pas, les auditeurs vont apprécier, et vous allez nous dire pourquoi. Mon appel, mais c'est clair. D'accord, nous apprécions. Mon appel, je suis né pour servir Jésus et non Satan. Le temps déterminera un jour. Shalom. Keri et la gona, mon magere kemo. Keri kemo, akibia o, owe. Adiawa la gona, mon magere kemo. Keri kemo, akibia o, owe. Amo sole. Amor, amor sale, oh, amor, amor sale, oh, amor, amor sale, oh, amor, amor, diawe, amor sale. Vraiment. Ah, c'est la totale ici, hein, vous savez, le prophète c'était très bon danseur, on sait. Merci. Pas. Ah bon, hein. Ah, oui, bon danseur. Imam, ouais. Imam, tu as apprécié? Inch'Allah. C'est bon? C'est très bon. Et voilà, donc le prophète Crasso, c'est un expert, lui, combat la sorcellerie. Ouais. Là où il y a la sorcellerie chez moi, quand il atterrit, les sorciers disparaissent. Ah, là, c'est et donc, à travers sa chanson, il rend gloire à Dieu. Ouais. C'est Imam, hein. Donc tu as dit ça en Dieu. Alors, donc, prophète, mon appel. Mon appel, en fait, je parle de mon appel, c'est de ma consécration à ce ministère. Oui. C'est Dieu qui m'a appelé, le Dieu d'Élie, dans ma langue maternelle, pour dire là ce que je suis en train de faire. Le prophète Crasso, il est un intellectuel, il a aussi un diplôme en hôtellerie. Oui. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, pas parce que c'est quelqu'un qui a été unité dans la vie, quelqu'un qui est perdu. Non, c'est parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. À faire ce travail. Donc je le fais. Je suis dans les brousses, dans les villages, en train de parler, sensibiliser nos parents, abandonner la sorcellerie. Je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Oui. Donc ce que je fais est mon appel. C'est ma destinée. Sonner. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Prophète, il y a eu un autre titre
qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on n'a plus d'espoir. Ouais, consolation là. Consolation. Ah, oui, c'est vraiment, c'est aussi un titre ouais, très bien apprécié. À quel moment on peut conseiller consolation? Oui, je pense que très tôt le matin. Très tôt le matin. Très tôt, après la prière de l'aurore. Oui. Après la prière de l'aurore, c'est-à-dire à partir de 3h30, on finit 5h30, précisément 5h30. C'est d'accord. Écoutez, c'est consolation, beaucoup spirituel. Les auditeurs vont apprécier. Ouais, dédie ce morceau à ceux qui traversent des moments difficiles. Ce Dieu peut nous sauver. Hey Dieu. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est des extraits. Sincèrement, ça vous intéresse, vous rendez, n'est-ce pas? À mon ministère. Oui. Au plateau, à mon ministère, c'est le que vous appelez le 47 07 23 28 ou le 32 76 38 90. Et vous avez le CD. C'est ça. Alors, il y a un autre titre, vous rendez gloire à l'Éternel, Dieu du Psaume, au Seigneur Jésus. Aïe, d'accord. Ah oui, aïe, d'accord, c'est la balance. Oui. Je vais dire merci Dieu, oui. Parce que j'ai traversé des moments difficiles. C'est ça. Pour moi, il faudrait quand même louer le Seigneur. Je suis le rescapé de ma famille, quand j'en parle, parce que moi, je suis né dans une famille musulmane, je suis sorti d'une famille musulmane, qui a été dissimulée. Une famille musulmane. Ah, ben oui, ma mère est peu de malienne, ma mère est Keta Mariam. Mon papa est bété de Gagnon, il s'appelait Ousmane Touré, son nom musulman. Donc, je suis né dans une famille musulmane. Moi, j'ai fait Al-Akbar. Je priais jusqu'à ce que je connaisse, j'accepte Jésus-Christ en France. C'est ça. Comme mon sauveur. Mais il y a une histoire. C'était cette histoire de la sorcellerie qui m'a amené à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Je suis le rescapé. Aujourd'hui, je suis au service du Seigneur. Je lui dis merci. Merci, Lago Ayo. Mm-hmm. Ayo, quand Bété te dit Ayo, c'est profond. C'est très profond. Voilà, c'est très profond. Et surtout, Lago qui suit ça, c'est vraiment spirituel. C'est ça. Nous allons apprécier. Ayo, Jésus, ayo, que mon slow. Ayo, Jésus, ayo, que mon slow. Ayo, ka, ayo, ayo, que mon slow. Ayo, Jésus, ayo, que mon slow. Le diable voulait que je meure, mais le Dieu que j'ai pris oui. a détruit cette mort. Il m'a donné la vie la en croyant la personne de Jésus. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu à l'écoute peut retenir de cette sortie? Oui, parce que le titre même, il est révélateur. Le titre est trop révélateur. Oui. À cause de toi, le titre de l'album, c'est-à-dire à cause de toi, à cause de celui que j'ai cru, qui est la personne de Jésus-Christ. Oui.
ils ne pourront rien. La manigance, la sorcellerie, tout ce qu'ils feront contre moi, même la maladie, la pauvreté ne pourra rien parce que c'est lui qui est l'assurance vie. Voilà, donc c'est révélateur ce que vous dites. Chacun d'entre nous doit avoir absolument l'album pour s'inspirer. D'autres diraient, mais pourquoi le prophète chante dans sa langue? Je n'ai que cette langue. Je disais, comme dans une chaîne de radio, une télé, chaîne de radio, oui. Que j'ai été influencé par Pepe Kale. J'étais influencé parce qu'il ne comprenait pas le lingala, mais je dansais, j'aimais bien cette musique. Voilà, j'aimais bien cette musique. Donc, au fait, si on ne comprend pas le bété, vous serez obligé de comprendre le bété parce que le prophète Crasso chante en bété. Et ça serait une curiosité et permettre à cette personne de découvrir ma langue maternelle qui est bété. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est beaucoup riche en culture. Je ne chante pas ce qu'on m'embête. Sur l'album, je chante en baoulé, je chante aussi en gourou. Nous avons 60 ethnies en Côte d'Ivoire, donc c'est une manière de parler. Tout le monde est servi. Pour dire, on ne peut chanter Dieu dans nos langues. On n'a pas forcément besoin de l'anglais ou français, on peut chanter Dieu dans nos langues. S'ouvrez les coups de pété, appelez-moi, je vous donne les coups. En tout cas, prophète, merci beaucoup. Quel appel on peut lancer à tous nos frères et sœurs, parce que ça ne concerne pas seulement que les chrétiens. Oui, tout le monde est dit, voilà. D'arrêter de faire du mal. D'arrêter franchement, de faire du mal. Parce qu'il faut respecter l'être humain, oui. D'arrêter de faire du mal. Oui. C'est ça le combat que nous menons. L'être humain, il crée à l'image de Dieu. Oui. Il faut respecter l'être humain. Oui. Il faut respecter son prochain comme ce qu'on l'aimait, comme soi-même a dit la parole. Et en même temps, il faut éviter de faire du mal. Parce que tout ce que nous faisons sur terre ici, nous allons le payer demain. Que tu crois ou pas, le paradis existe. Et l'enfer existe. Le mal, nous devons nous éloigner du mal et nous devons accepter Dieu. Je pense bien que nos cœurs aussi doivent être désarmés et nous devons aller tout droit vers la réconciliation. Et c'est toujours important. Et surtout que la Côte d'Ivoire revient de très loin. Je pense que notre patrie, la Côte d'Ivoire, pour rien au monde, ne doit pas permettre à cette Côte d'Ivoire de brûler. Nous devons nous entendre, peu importe le port, le parti auquel nous adhérons. Mais nous devons nous attendre et sauver notre patrie qui est la Côte d'Ivoire. Le prophète Crasso est une fierté pour le Lodi Bois. Merci. Le prophète Crasso en France, le prophète Crasso en Italie, le prophète Crasso en Allemagne, c'est une fierté. Alors, le monde entier. Oui, tu me suivais bien sur le. A effectivement, a apprécié toute cette délivrance au nom de Jésus, n'est-ce pas? Il y a des blancs qui t'ont délivré aussi. Oui. Il y a des Français, il y a des blancs qui étaient délivrés, qui expérimentaient la délivrance, les blancs qui étaient foncement dans la magie, dans l'occultisme, que nous avons délivrés au cours de nos prières. Pour dire, si vous faites un pacte avec Satan, vous allez le payer. Parce que Satan, il ne s'amuse pas. Je pense bien que ce que nous devons faire, c'est de se donner à Jésus. Et mon voyage sur l'Europe, c'est révélateur. C'est de permettre à ceux qui ont peur de l'Afrique, parce qu'ils ont une autre manière de regarder l'Afrique. Ils ont peur, ils voient l'Afrique comme un continent où il y a des merdes, c'est vrai. Où il y a de la sorcellerie qu'on a peur. Mais en écoutant les aveux des sorciers, les sorciers prennent leur avion, ils vont vous trouver à Paris, ils vont vous trouver à Berlin, ils vont vous trouver à Asti, ils vont vous trouver à Milan. Et j'ai changé avec eux. Ceux qui ont peur de venir en Côte d'Ivoire, vous l'aurez rassuré, c'est parce que vous n'avez pas Dieu que les sorciers font de vous leur mouton, leur cabri. Acceptez Dieu, vivez bien avec les gens et respectez les êtres humains. Vous allez avoir la protection de Dieu. Donc je suis en tournée, je suis revenu pour fêter avec, en même temps avec mes parents ici en Côte d'Ivoire. Et en même temps, faire la promo de moi. Parce que l'album devait sortir avant que je ne parte. C'est en plein studio. Je sors qu'elle sorte l'album, je suis en plein tournée. Et quand j'ai fini, parce que je reçois un grand spectacle. D'accord. Alors j'allais même. Oui, il y a un spectacle en vue en mars. En mars. À Dijon. Oui, alors, qu'est-ce que nous réserve à Divo? Oui, mais je pense que Divo a vu tous mes débuts. Oui. Toutes les sorties, c'est Divo. Oui. Il faut maintenant penser à Abidjan. C'est ça. Voilà, il faut penser, parce qu'aujourd'hui on est en international, il faut penser à Abidjan, en fait, c'est la demande du public. Mais les fans, c'est pour une dédicace. Ben, une dédicace et un concert. Oh, oui. Voilà, c'est une dédicace en même temps un concert. Je vais faire deux heures de concert avec mon groupe musical, ça en mars, le 12 mars. Abidjan, voilà, où tout le monde sera invité, même toi, vraiment, tu... Oui, mais je ne suis pas manager... je ne suis pas le manager de l'Odivoire pour rien. Allez, prophète, en tout cas, merci. Ouais. Nous allons dire merci à l'imam qui nous a accordé son temps. Merci, n'est-ce pas, imam, merci. Qu'est-ce que tu as bien retenu, hein, ce que le prophète a dit. Alors, un message en langue, parce que c'est une œuvre, hein, qui s'ouvre en écoutant. Alors, vous lancez un message, et puis on va dire au revoir.
Alhamdulillah rabbil alamin suma alhamdulillah ambe ambadema yallon ya biblana bina ambadenge prophète Julie Crasso alhamdulillah abana ambe biblana bina radio fraternité divula ka ambadema bienjene fo tiene muso pe ka bienjene fo biblana bina ni parkai mais a paramikera mena wole fo nyene o baraj mali subha roro à avoir vu ma consubra au fond fa ou alors il n'a qu'à se voir dans son propre c'est clair autrement à ouvrir les cas afin de parler de cas au conno ministre ou à côté fin de crier autrement au koyasha mais ni mon ami ma boucle à cala et bien c'est qu'on sera à Abidjan soit il n'a qu'au divoya à créer le nom et c'est qu'on sera sur connaît autrement parce que trop bien là trop balé parce que une caméra au prophète au tobali, ça dit Mouromichi. Ah ah, autrement, au prophète Mioui, Analaïla, les Kalo, au Tivokalo, à Idija, à Ibre, à Tigila. Pourquoi à Isikane Fasro, Nyama. Autrement, Ambadinje, Anano, Brolima, Radio Fatante, Tivola, Aba, Kma Sisse, et puis, Anna, Album Mia Bola, Aba, Ole, Miski, je sais. Bien trop, le Autrement, Kala, c'est Tivou, Tchen, Tivou, Moussou, Bien, Ma, Anang, Album Babé, Anang, Yamo, Babé. Otma bela mena an garba kamso amba kuma daima inshallah anga prophète joli kraso inshallah abina sabunda le kasra kata inshallah tafadamo imam chekel taima allez d'accord nous allons donner les différents contacts les différents contacts et même temps j'en profite pour annoncer un grand événement de taille ce soir. Nous avons une grande veillée à Zaroko. Une grande veillée, c'est la première veillée de l'année, toute première veillée de l'année à Zaroko, qui est là dans la sous-préfecture de Iré. Voilà, ça carrément, je le maire de Divo. Pour tous ceux qui sont paralytiques, vous avez un problème de maladie incurable, vous avez un problème de sorcellerie, ne manquez pas cette veillée, c'est ce soir à Zaroko, à partir de 20h jusqu'au petit matin. Et ce qui est encore intéressant, c'est que nous allons recevoir un homme de Dieu qui vient d'Abidjan, qui sera l'orateur principal de ce soir. Et nous autres, nous aurons l'occasion de faire des délivrances et délivrer des gens des maladies, de la sorcellerie. C'est ce soir à Zaroko. Ben, les contacts sont les suivants. C'est le 46 07 23 28. Vous avez un problème de consultation, vous avez un problème de fibre, toutes sortes de maladies, appelez ces numéros 47 07 23 28 ou le 32 76 38 90. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Détourne-toi et garde mes fautes.